action. Oui, on lance un appel. Alors là, à partir de maintenant, on est en direct sur les réseaux sociaux. Je voulais vous remercier, amis éleveurs, d'être ici autour de moi pour rendre hommage à un homme extraordinaire par sa gentillesse, par son talent, Jean Boileau, qui nous a quittés brutalement cet été. On avait plaisir à le voir, à le côtoyer, à le fréquenter. C'était un homme merveilleux, un passionné parmi tant d'autres, un grand professionnel. Moi qui donne des pronostics depuis 30 ans, qui suis suivi par des milliers de vues en ce moment sur les réseaux sociaux, Jean Boileau, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis très très longtemps, je travaillais notamment pour le journal Week-end, j'avais donné un surnom à Jean, je l'appelais notre Jean-Michel Bazir, notre JMB régional, parce que quand on faisait un prono, on était sûr que Jean pilotait son cheval au millimètre et qu'il allait transcender l'animal et que le cheval allait faire la meilleure performance de sa carrière. Alors ici, nous sommes en direct de la vente aux enchères du Marot. L'association des éleveurs du Centre-Est vous propose de marquer une minute de silence pour Jean. Après cette minute de silence, pour ceux qui le veulent, je vais vous donner le micro pour rappeler peut-être vous, votre souvenir, votre coup de cœur, et ce que vous voulez dire à Jean, parce que Jean est un peu parmi nous aujourd'hui, et on va lui dire qu'on l'aime, et le fait qu'on marque tous aujourd'hui à Manicourt, à la ferme du Marot, cette minute de silence pour Jean Boileau, c'est quelque chose de fort. Et je vous propose de commencer, l'association des éleveurs du 113 vous propose d'être en communion avec Jean pendant cette minute. Merci, tout cela pour rappeler que vous faites le plus beau métier du monde, mais aussi le plus dangereux métier du monde, que cet animal est là et nous donne toute notre vie. Je sais que tous ceux qui sont ici vivent pour et par le cheval, et je voudrais commencer cet hommage par vous laisser la parole pour commencer à dire votre souvenir de Jean. Particulièrement ému parce que le jeudi à 17h15 au Balance de Vichy, il y avait une très forte ambiance. Hélas, le vendredi matin, on était tous consternés. Je voudrais qu'on applaudisse Jean Boileau pendant une minute. Bravo Jean. Merci de nous avoir donné tant et tant d'émotions. Courage à sa famille, à ses amis.